Bien-aimés dans le Christ, nous célébrons la transfiguration du Seigneur en cette année liturgique A. La fête de la transfiguration du Seigneur célèbre le jour où, sur le mont Tabor, le Christ Jésus, devant ses apôtres Pierre, Jacques et Jean, manifesta sa gloire de fils bien-aimé du Père en présence de Moïse et d'Élie, apportant le témoignage de la loi et de prophètes. Bien-aimé dans le Christ. Jésus y devient blanc, plus que la neige, si brillante, une lumière éternelle, une lumière inouïe, une lumière qu'on ne pouvait pas dénicher ou regarder. Le Seigneur découvre sa gloire à travers cela. Pierre tombe dans l'euphorie. Seigneur, il est heureux d'être ici, bien-aimé dans le Christ. Pour Pierre, la gloire de Dieu, la gloire divine, c'est d'être heureux. Point barre, tout est accompli. Mais non, la transfiguration nous invite à dépasser notre compréhension de la gloire divine. Si cette gloire éclate à la croix, à tel point que nous chanterons au quotidien la louange du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que nous allons toujours contempler la splendeur du Père. Bien-aimé dans le Christ, la gloire de Dieu qu'expérimente Pierre, Jacques et Jean à travers la transfiguration de Jésus n'est pas non plus la solution à nos problèmes. La gloire de Dieu, c'est de rendre l'homme vivant à travers le mystère de Pâques. La gloire de Dieu, c'est Jésus qui se donne à nous et pour nous dans un amour infini pour tout transformer, pour tout transfigurer. En d'autres termes, comme chrétiens, nous sommes invités à la transfiguration à travers notre vie de tous les jours. Cette gloire de Dieu nous invite à nous insérer dans la victoire de la croix. Cette victoire sur les tentations, cette victoire qui ne traduit pas la suppression des tentations, mais la victoire du Christ sur les tentations. Et donc, comme chrétiens, nous sommes sur cette voie de la victoire sur les tentations. Bien-aimés dans le Christ, notre monde semble être un monde pollué. Pollué avec autant de péchés, pollué avec les antivaleurs, pollué avec la discrimination, pollué avec le vol, ainsi de suite. La victoire de la croix nous rappelle que cette gloire dépasse tout. Et comme chrétiens, imitant l'exemple de Jésus qui est transfiguré, nous aussi, nous devons être transfigurés à travers l'amour de la charité. Être transfiguré à travers le bien que nous cessons, à travers le bien que nous allons réaliser dans notre existence, dans notre quotidien. Ce bien, c'est là. Pierre trouve que cette gloire a résolu son problème et donc construisons trois tentes, restons ici. Non. La transfiguration constitue une mission. Aller annoncer dans la plaine, c'est-à-dire aller dans votre vie quotidienne, annoncer la gloire de Dieu. Annoncer que l'homme est vivant, c'est-à-dire le respect de la personne humaine. La dignité de la personne humaine doit être au premier plan. Ce bien, c'est là. Si nous voulons transfigurer, ce bien, c'est là. Non pas esquiver ce qui nous terrasse, mais par contre surmonter à travers cette gloire du mystère de Pâques. Le Christ nous invite, bien chers frères et sœurs, à briller. Lui qui est lumière, né de la lumière. Saint Jean nous dit, la lumière est venue dans le monde, mais le monde a refusé de recevoir cette lumière. Mais ceux qui l'ont reçue, ils ont obtenu grâce sur grâce. Et donc nous chrétiens, recevant cette lumière brillante, cette lumière si éloquente,
cette lumière, nous recevrons grâce sur grâce. Et dans notre vie de tous les jours, les expériences sont nombreuses où nous recevons la grâce sur grâce. Soyons transfigurés. Laissons le Christ entrer en nous et faire du vrai boulot en nous pour que nous puissions être transfigurés. Pour que nous puissions devenir des personnes nouvelles. Pour que nous puissions être réellement la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, notre monde semble ignorer cette gloire de Dieu et cherchant des petites gloires de tous les jours, des petites gloires inutiles, des gloires éphémères, on le voit. Ça ne rime à rien et ça n'apporte rien et ça ne donne rien. Contemplons la gloire divine, contemplons cette gloire, cette joie éternelle pour que le Christ lui-même nous envoie pour pouvoir pérenniser, parler qu'il est le Fils de Dieu à travers notre vie de tous les jours. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.